Salut tout le monde, c'est Marthe et aujourd'hui on se retrouve sur Super Mario 64 DS, un jeu que j'apprécie énormément, et oui. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment avoir les étoiles secrètes du château. Parce que oui, je vais vous montrer. Voilà les options du fichier, on va voir les scores, on va voir fichier A, où j'ai tout eu. Donc vous voyez qu'il y a 15 niveaux, il y a 15 niveaux, il y a 7 étoiles par niveau, plus une supplémentaire quand on amasse 100 pièces dans un niveau. Mais en faisant le calcul, tout ça, ça fait 120 pièces. Mais alors, où sont les 30 dernières, puisqu'il y en a 150 en tout? Les 30 dernières sont des étoiles secrètes cachées dans le château, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les avoir, où elles sont cachées. Donc, hop. Allez, c'est parti. Alors, la première étoile se trouve avec nos amis lapins. À un moment, vous verrez des lapins exactement comme ça. Et ces lapins-là, ils seront blancs et brillants. Ce sera des lapins luisants, on appelle ça comme ça. Enfin, le jeu les appelle comme ça, je crois. Et ces lapins là, il y en a 8, ils sont plus durs à attraper parce qu'ils courent plus vite et ils se cachent dans le château. Enfin, ils se cachent tous dans le château. Et quand vous avez attrapé les 8, ils vous donnent une clé. Ils vous donnent une clé qui vous donne... Enfin, ce sera la clé de cette porte. Et voilà, après des petits bruits de fantômes, là il n'y a rien, c'est normal, j'ai déjà attrapé cette étoile. Puisque je les ai toutes, une étoile supplémentaire se trouve ici. On dirait pas, mais si, c'est bien là. Alors c'est une glissade. À la clé, il y aura une étoile. Et si vous la faites en moins de 21 secondes, il y en aura une supplémentaire. Ça nous fait déjà 3 étoiles cachées. Hop, donc là, faut foncer. 18, 19... Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, voici l'étoile des moins de 21 secondes. L'étoile initiale est ici. Et l'étoile des moins de 21 secondes est là. Ça vous fait 2 étoiles en tout. Donc, je vous en ai déjà montré 3. La suite, ça se passe... avec Mario même. Je vais faire continuer parce qu'on s'en fout de la sauvegarde. C'est juste pour la vidéo. La vidéo avec un V, c'est mieux en général. Alors. Donc ici, vous voyez que ce tableau tremble un petit peu. C'est normal, c'est un monde. Enfin, plutôt un niveau. Et ce niveau, il y aura 5 pièces argentées. 5 étoiles argentées, pardon. Et ces 5 étoiles argentées, dès qu'on les a attrapées, ça fait apparaître une étoile. Alors, pour la suite des étoiles secrètes, donc il y aura 8 pièces rouges à amasser dans ce niveau. Et moi je vais essayer de... Non. Oh le fail. Bon, alors, je vais pas essayer, je vais vous... Bon, après ce big fail... Putain, c'est la honte ça, j'ai 150 étoiles et je me rétame comme ça. Alors, je vais vous montrer comment s'asphyxier. Et oui, j'ai changé de programme. Alors non, je vais vous montrer où se trouve une étoile cachée du château. Oh, oh, j'ai eu chaud là. Elle se trouve ici, tout simplement. Cet interrupteur étoile fait apparaître une étoile ici. Moi, elle est grise, tout simplement parce que je l'ai déjà eue, comme toutes les autres. Et il faudra faire des sauts muraux, le fameux saut mural de Mario, pour avoir cette étoile. Hop, hop. Et je l'ai pas eu. Bon. Et décidément, je fais vraiment de la merde. Alors, quitter niveau. Il y en a une ici. Il ne faut pas bouger. Il n'y a pas besoin de bouger. Il faut regarder juste en l'air. Avec Mario, il faut Mario par contre. Il faut Mario tout simplement parce que Mario est le seul à avoir les ailes. Et là-dedans, il vous faudra
récupérer les 8 pièces rouges comme ces deux qui sont ici et que je vais... Voilà. Il vous faut récupérer les 8 pour faire apparaître une étoile ici même, à cet emplacement. Voilà, en attendant, je vais pas le faire, c'est juste pour vous expliquer où elles sont. Alors la suite. Oh, où je vais là? Excusez-moi, je regardais à côté, parce que j'ai mon anti-sèche à côté. À côté, il y a une petite trappe, ici, qui vous mène ici. Et voyez, il y a des pièces rouges. En attrapant les 8 pièces rouges, comme à chaque fois, vous en ferez apparaître une étoile ici. Hop. Et ça vous fera une étoile supplémentaire. Alors ensuite, on va aller voir notre Bowser. On va aller voir Bowser des Ténèbres, il s'appelle. Il s'appelle comme ça, le premier Bowser. Regardez comme il est fourbe. Hop. Ça, c'est vraiment fourbe. Il y a un mur invisible. Alors, dedans, il y aura des pièces rouges. 8 pièces rouges. Et un interrupteur étoile. Je vais vous montrer comment y arriver beaucoup plus rapidement. Voilà. Là, il faut foncer, par contre. Il faut marteler le bouton. Marteler le bouton B pour sauter. Ah, il faut le marteler. Il faut aller à fond. Ah. J'ai mal aux doigts. Ah non. C'est bon. Hop. Et voilà. Eh oui. Moi aussi, je suis fier, Mario. Oula. Et donc, l'interrupteur étoile, il est ici, à côté de la fin du niveau. Et il vous fera apparaître une étoile. Alors, elle est où, cette étoile? Hop. Elle est... Oups. Ah oui, effectivement. Elle est au bout là-bas. Ce bout là-bas. Bah vous voyez là le petit truc qui dépasse là. Ici même. Voilà, c'est ici l'étoile. Alors, je vais quitter pour vous montrer une nouvelle étoile. Des nouvelles étoiles d'ailleurs. Alors pour cela, il faudra Luigi. On va quitter notre Mario. On le retrouvera plus tard. Mais on va le quitter pour l'instant. Parce qu'on va avoir besoin de Luigi pour ses étoiles. Ça fait déjà 10 minutes la vidéo. Eh bien. Alors, Luigi. Donc il va falloir aller par là. Aller voir nos amis les Boo. Alors. Là, vous voyez que ce bout. Dans ce bout, il y a une. Ah, il y a une pièce. Voilà. À un moment, il y aura des pièces rouges. Il faudra juste toutes les avoir. Les 8. Et vous débloquerez une étoile. Les fameuses 8 pièces rouges. Alors, vous voyez pas grand-chose, je crois. J'espère que vous arriverez à lire, quand même. Alors, ensuite, il y a 2 étoiles là-dedans, je crois. Alors, hop. Et on va y aller plus simple. Ça va être plus simple pour y aller. Hop, on va y aller comme ça. Alors, vous voyez, avec Luigi, c'est vachement plus facile. Hop là, et voilà. Alors, avec Luigi, il va falloir... Oui, alors, il va falloir passer cette porte. Il va falloir dégager ce gros machin là, ce gros bout. Non, tu viens. Hop là, aïe. Est-ce que je suis bien en face? Oui. Hop là. Il va falloir prendre cette jolie petite fleur. Et avec cette jolie petite fleur, vous pourrez passer ce tableau. Et vous devrez faire tourner cet œil. Vous voyez, c'est un œil. Oui, oui, c'est bien un œil. C'est un œil contemporain, quoi. Pour débloquer une étoile. L'étoile suivante se trouve dans ce tableau. Et alors, dans ce tableau, il va falloir avoir les 8 pièces rouges comme celle-ci, par exemple. La suite se trouve ailleurs. La suite se trouve dehors, j'ai oublié de vous le montrer.
Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer une étoile qui se trouvait, oops, qui se trouvait dans ce jardin. Vous verrez que là-bas, il y a des briques. Hop, vous en cassez une et... Oh, vous avez un passage. Mon Dieu, un passage. Eh oui, mesdames et messieurs. Eh oui, un passage. Exactement. Alors, la suite, elle se passe... La suite, elle se passe chez notre ami Bowser, encore une fois. Alors, Il est ici, il s'appelle Bowser des Laves. Yeah! Bowser des Laves, hop. Alors là-dedans, il va falloir avoir les 8 pièces rouges. Comme dans beaucoup de niveaux. Comme dans beaucoup, beaucoup de niveaux. Comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux, je dirais même. Même dans beaucoup... Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Ok. Ok. Non, mais c'est... J'ai compris. Et toi, tu vas pas nous emmerder. Voilà. Alors, il va passer. Il va falloir passer par là. Je crois que je pouvais faire plus simple. Mais bon. Hop, donc une pièce rouge comme celle qui est à droite. Présente-moi là. Hop. Alors, la suite du niveau, comment ça se passe? La suite du niveau, tout simplement, ça se passe non pas dans la lave. Même s'il s'appelle Bowser des Laves. Alors. Yup. Yeah. Ah, j'ai plus qu'un quart d'heure de vidéo. Et parce que ma mémoire... de mon appareil, parce que je ne prends pas avec une caméra mais avec un appareil. Pourquoi tu fais quoi, Luigi, là? N'est pas très très grande. Il va falloir que je presse un petit peu le pas. Hop, alors la suite, elle est là-haut. Yops. Oh là. Et on va aller chercher notre petite inter... Ah non. Non. Non! Ouh! Oh, j'ai eu du bol, hein! Oh non! Ah, mais il y a un cœur, ça va me redonner ma vie, ça, c'est cool! J'aime bien les cœurs. Amour, beauté. Hop, et là, avec Luigi, il y a une manière plus simple d'y aller, c'est comme ça. Il y a un interrupteur étoile, voilà. Il est là. Je vous laisse découvrir la suite. Alors, oh pardon, on va aller en haut pour une fois. Non, c'est pas en haut, j'ai oublié les trucs en bas. Eh oui, ah t'y as cru, hein. Eh ben ouais, eh ben non, finalement non, qu'est-ce que tu veux? Oups, qu'est-ce que tu veux? Eh oui, alors la suite se trouve encore plus bas. Donc on va aller encore plus bas et encore plus bas. Et voilà, donc là on était allé à gauche. Et là, on va aller encore plus bas, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on va encore plus bas. Bon, là, je crois qu'on est au dernier étage. Enfin, au dernier sous-sol. Donc, Luigi, lui, il fait ça dans la simplicité. Lui, il marche sur l'eau. Voilà. C'est un peu une sorte de Jésus, quoi. Là, il va falloir parler à ce Toad-là, qui vous donnera une étoile. Parce que ce Toad, il est riche. Voilà. Bon, je vous lis pas le texte, hein. Ça sera un peu trop... chiant pour vous. Hop. Et ensuite, ça se passe dans ce niveau-là. Voilà, voilà. Alors, dans ce niveau-là, il faut aller par là-bas. Excusez-moi, je consultais mes notes. Parce que se souvenir de tout, c'est pas simple, simple. J'ai noté tout ça. Zioup. Avec Luigi, on peut tout raccourcir, c'est juste trop bien. Moi, j'adore. Moi, j'aime. Moi, je like. Luigi, moi, je like. Aïe. Ça, je like moins, par exemple. Aïe. La vache, ça fait super mal. C'est bon, j'ai ma vie, là. Hop. C'est ma vie. C'est ma vie. C'était là. Hop là. Là. Je fais ça pour aller plus vite, en fait. Ça va carrément plus vite. Hop là. Ah bah j'ai raté.
On va aller le plus loin possible. Oh. Bon. Alors, là, il va falloir aller... Il va falloir aller chercher ce bonhomme. Ah oui. Ce bonhomme, ce truc, en fait, je sais pas ce que c'est, ce, cet objet. Ce monstre-là, il a des... Je sais pas, il a des lunettes de piscine, alors que, justement, il est... Bon, c'est un monstre un petit peu bizarre. Et c'est raté. Hop, j'étais pas bien cadré. D'ailleurs, c'est pas facile de, quand même de... Hop là. C'est pas facile quand même de filmer une console portable. Si vous voyez dans la position, si vous voyez la position dans laquelle je suis, voilà, vous arriverez à une deuxième petite mare. Donc en gros, un niveau dans un niveau. Yeah. Là, faut éviter cela parce que voilà, ils sont pas super sympas ces gens-là. Alors, dans cet endroit, qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Alors, il y a des gens qui te font chier, ça c'est sûr. Alors, il y a des pièces rouges qu'il va falloir ramasser, comme à chaque fois. Mais il y a aussi... Hop, donc des pièces rouges, encore des pièces rouges, toujours des pièces rouges. Hop. Et avec la casquette Mario, on va pouvoir aller à fond. Ah, yeah, il faut marteler le bouton. Je fais des bruitages assez bizarres. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cette fois-ci, on va vraiment aller en haut. Continuez. Oula, je viens de voir, j'ai les ongles un petit peu longs quand même, là. You. Hop. La suite. Allez, allez. Et on va quitter. Eh oui, on va quitter cet endroit sinistre. On va quitter cet endroit un petit peu glauque pour un petit brin de folie qu'on va trouver à l'étage. L'étage comme les yaourts, comme les... Ouais, je sors, c'est ça? Ouais, je sors. Non, bon, d'accord. Alors, donc, là-haut, il va y avoir... Alors déjà, il y a un long escalier qui sert un peu à rien, quand même. C'est juste histoire d'être logique. Alors, en premier, il va falloir parler à... Soit c'est ce Toad-là, soit c'est ce Toad-là. Alors, je sais plus exactement lequel. Je sais plus avec quel personnage il faut parler, mais... Vous voyez l'idée, quoi. Là, il faut y aller avec Luigi, parce que en prenant cette fleur, cette jolie petite fleur cueillie dans le champ, et ben vous ouvrez la porte qui est au fond, vous arrivez dans une pièce un petit peu... ce que j'appellerais une chambre blanche. Bon, bref. Et là-dedans, il y aura une étoile. Ensuite, droit, direction... Tableau de Wario. Dans le tableau de Wario, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, oui, il y a des jolies petites pièces, ça on s'en fout. Mais il y en aura des pièces rouges. Il y aura encore 8 pièces rouges à ramasser pour débloquer une étoile en plus. Mais il y aura aussi une pièce, une étoile à avoir avec Wario. Donc il faudra mettre la casquette de Wario pour se transformer en Wario. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé de mettre une casquette Mario. Je me suis jamais transformé en Mario. Ça prouve quand même que les jeux vidéo ne sont pas réels. En même temps, tu me diras, Mario n'est pas réel non plus. Voilà, on a besoin de Wario, car quand il est en métal, il ne craint pas le vent, il s'en fout. Et c'est le seul à pouvoir casser les briques noires. Voilà, voilà, hop. Et donc, je suis encore plus courageux. Non, je vais pas sauvegarder. Et vous avez une étoile. Donc je vais quitter le niveau. Alors, ensuite, où on se retrouve? Donc on garde Luigi. Attends, elle est vraiment pas très très bonne la qualité de la vidéo. Excusez-moi. Mais bon. Alors on va avoir Luigi.
parce qu'il y aura des... Il y a des choses. Déjà, il faut parler à ce Todd-là. Oups. Ce Todd-là qui apparaît devant vous. Il aura une étoile à vous donner. Parce que les Todds, en général, c'est gentil. Oups. Voilà. Là-dedans... Alors, hop, il va falloir vous mettre en direction de la chose, là-bas. Et ensuite, d'aller la chercher. Je suis dessus. Ouais, je suis au-dessus. Hop, et vous allez vous poser tout délicatement. Hop, hop, cela. Il faut chercher la casquette de Wario d'abord. Ensuite, aller dans le canon. Non, j'ai dit aller dans le canon. Vous allez dans le canon. Il va falloir viser cet arbre. Mais allez pas direct dessus, sinon vous allez aller en dessous. Il faudra viser un peu plus haut, quoi. Comme ceci. Hop, et là-dedans, il y aura une étoile. Sinon aussi, dans ce niveau, il y a aussi les 8 pièces rouges à avoir. Donc ça nous fait déjà pas mal d'étoiles. Et j'ai plus que 3 minutes 30 de vidéo, je vais essayer de faire très vite. Je sais pas si ça va le faire. Hop. Et là, il va falloir aller chercher Mario très très vite, très très vite. Parce que c'est avec Mario qu'on fait la suite. Hop là. Allez, allez Mario, allez Mario. Mario, allez. Allez Mario, allez Mario, allez. Hop, il va falloir aller chercher Mario, tout simplement parce que Bowser des cieux n'accepte que Mario. Il s'en fout des autres, il le dit lui-même, il ne veut que Mario. Ah, non, il va falloir y aller là par contre. Non. Autiste. Hop. Et là-dedans, il va falloir avoir les 8 pièces rouges. Et il va falloir trouver l'interrupteur étoile. Là-dedans, il y a un interrupteur étoile à trouver. Et je vais vous laisser... Non, quand même. Je vais quand même pas vous laisser le trouver tout seul. Je vais vous montrer où est cet interrupteur. Oula! Oh, j'ai eu chaud. Cet interrupteur étoile, il est là. Voilà. Alors ensuite, on va aller chercher Wario pour les deux dernières étoiles. Parce que oui, je vous en ai déjà fait 28. Et avec Wario, on va pouvoir... Hop, si c'est faisable. Oh, j'ai plus qu'une minute 20 de vidéo. J'espère que ça va le faire. Allez, allez, allez Wario. C'est bon, c'est bon. Mais si, ça va le faire, mais si. Allez Wario. Oui, c'est bien ça, vas-y. Et là, il faut foncer. Même si vous faites trop mal à la fin, vous en foutez, il faut foncer. Hop, il va falloir choper les 8 pièces rouges pour avoir une étoile, encore une fois. Mais aussi prendre la casquette de Mario pour devenir Mario. Et essayer... Et prendre ce machin-là. Pour aller de l'autre côté et débloquer et aller voir cet interrupteur étoile que vous voyez si bien d'ici.
Enfin, si bien, c'est pas le mot, vu que la qualité de la vidéo est dégueulasse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo des étoiles bonus, des étoiles cachées de Mario 64 vous aura plu. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo ou la partager. Et on se retrouve de très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était...